Président de la République, là, Jovenel Moïse a visité dans la nuit de mercredi 21 mars, là, travail réparation avec agrandissement puis aéroport Toussaint-Louverture. Chef l'État fait visite ça dans objectif pour garder dans qui État travail a avancé. Ministre Travaux Publics Transport avec communication Fritz Kayo avec directeur général autorité aéroportuaire nationale AN Yervin Mehu, t'es accompagné président Jovenel Moïse pendant visite ça. On suit un reportage avec Roosevelt Desrosiers et Jean Fleury. Le président de la République, la Jovenel Moïse, arrivé dans l'aéroport international Toussaint-Louverture, il prend direction à droite piste là. L'espace ça, l'installation matérielle lourde qui a fait asphalte pour le déposer sous piste là. Sous chantier ça, chef l'État a salué technicien et puis dialogué avec responsable Nanrazak Akvob, deux compagnies qui ont exécuté travail réparation et agrandissement piste aéroport. Après explication de mes responsables Sayo, sur comment travailler à fait sous chantier, le président de la République a été rendu sous piste là. Là, plusieurs techniciens mobilisés avec machines qui ont retiré ancien asphalte et puis mettre l'autre couche tout neuf. D'après le ministre des Travaux Publics, Transport et Communication, Fritz Kayo, travail ça qui fait chaque soir, commencé depuis environ 2 mois. Il doit finir dans le mois de juin. Puis ça, aéroport, qui est censé être fait depuis 1982, ça fait environ 36 ans. Depuis que yo font intervention sous piste aéroport. Voilà, c'est la haute technologie et son travail qu'a fait non temps record. Travail là dans un premier temps, nous connaît que gagnent ça aurait et OACI, des gagnent normes pour aéroport international dans tout pays. Donc et piste ça nous là son piste qui était gagne environ 42,50 m. Donc d'après normes internationales, donc nous obligés, par exemple, mettre piste aux normes. Actuellement, nous avons une piste qui est environ 45 mètres. Balance qui était pour nous atteindre 45 mètres, là, parce que, pas oublier, c'était 42,50 m. Actuellement, nous avons environ 45 mètres de largeur de piste. Et son chantier commence chaque soir à 9h30 du soir, il finit exactement à 5h du matin, le temps pour nettoyer piste. Il fait environ 150 mètres par jour et pour être en nettoyer et faire signalisation. Travail réparation et agrandissement piste aéroport international Toussaint Louverture coûtait 22 millions de dollars américains d'après coordonnateur infrastructure aéroportière dans le ministère des Travaux Publics, Transport et Communication, Jean-Daniel Dominique. Dans l'agence ça, Agence américaine pour développement international USAID, baille 18 millions de dollars américains. Et puis l'État haïtien mettez 4 millions.